Je les aiderai et les protégerai. Ils doivent être sauvegardés à tout prix. Personne ne pourra la franchir. La colonie est à l'abri. C'est moi qui l'ai sauvée. Nous ne sommes pas sauvés. Même avec les champs de force pour nous protéger, ils s'envolent de l'intérieur. Ils vont quand même tous mourir. Belsnor. Qui est-ce cette fois? Suzy Smart. Vous savez ce que ça signifie? Je sais exactement ce que ça signifie. Une jeune personne tellement vivante qui nous illuminait de sa présence. Comment a-t-on pu lui faire ça? Faut la faire examiner. La mort ne fait aucun doute. Regardez donc. Prêt à réfléchir votre autopsie? Votre opinion sur la mort de Talchief. Vous ne voulez pas en changer? Elle devait la foire à la main. C'est moi qui le lui ai donné. Elle a quitté ma chambre hier soir et je me suis couché. Je ne l'ai pas tué. Je n'étais même pas au courant avant d'entendre crier le docteur Babel et les autres. Nous ne vous accusons pas. Vous voyez ce que vous êtes venu trouver ici. Je me demande si vous ne pourriez pas vous servir du transmetteur de mon fuseur pour demander de l'aide. Ça ne vaut rien. L'équipement radio des fuseurs. Pas un clou. Et c'est la Terre qui nous fait ça. Notre propre gouvernement. Comme si nous étions des rats dans un labyrinthe mortel. Des rocheurs affamés. Avec l'adversaire ultime et destiné à mourir un par un. Jusqu'au dernier. Belsnor. Vous êtes sûr de ne pas vouloir les mettre au courant? Ils ont le droit de connaître l'ennemi. Leur morale est déjà assez bas comme ça. S'ils savaient que c'est la Terre qui opère, ils perdraient la capacité de survivre. Ils deviendraient faux alliés. C'est vous qui décidez. Vous êtes le chef du groupe. Plus tard. Quand le moment sera venu. Il ne viendra jamais. Ils mourront sans savoir. C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être vaut-il mieux que tous ces individus, tant qu'ils viennent, meurent sans savoir pourquoi, n'est pas la faute de qui. C'était une très jolie fille. Jolie mais dingue. C'était une obsédée sexuelle. Il fallait qu'elle couche avec tous les hommes qu'elle rencontrait. On pourra se passer d'elle. Espèce de salaud. Et alors? Que voulez-vous que je dise? Qu'on ne peut pas s'en passer? Que sans elle, tout est fini?
Papel est perplexe. Qui ne l'est pas, vous ? Nein, je le suis tout autant que vous. Je demande la permission de faire une exploration en dehors du campement. Russell est d'accord pour m'accompagner. Pourquoi ? J'ai vu la version miniaturisée de l'édifice. Je pense qu'il est temps d'étudier de près l'original. Amenez quelqu'un d'autre avec vous. Quelqu'un qui soit déjà dans le coup. J'irai. Il faudrait aussi un homme. Ramenez Fraser et Tug avec vous. Ainsi que Petit Chou. Je resterai ici avec les autres. J'aimerais aller aussi avec eux. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez tous quitter le campement ? Nous sommes plus à l'abri ici. C'est d'accord. Et bonne chance. Essayez de ramener une de ces mouches chantantes. Sauf si vous trouvez quelque chose de mieux. Je ferai mon possible. Jamais ils ne reviendront. Il n'est pas artificiel. Il est vivant. C'est un animal véritable. Ceci, par contre, est artificiel. Un dispositif entièrement mécanique. Regardez les fils. Où se trouve l'édifice ? Il a l'air de changer d'emplacement. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, il était dans cette direction, après les geysers. Mais il sera probablement ailleurs cette fois. Ça nous servira de point de départ. Allons à l'endroit où il était la dernière fois. Et de là, on rayonnera dans toutes les directions. Si on s'arrêtait un peu pour se reposer, je suis fatiguée. Je n'ai rien mangé au réveil et nous sommes partis sans provisions. Cette expédition aurait dû être soigneusement préparée. Aucun de nous n'avait les idées nettes. Vous pouvez avaler ça sans boire ? Oui, quand on est intoxiqué, on doit pouvoir avaler sa dose à tout moment. Les médicaments, c'est sa drogue. Je crois connaître la manie de Monsieur Russell. D'après ce que j'ai observé chez lui, il semble avoir le fétichisme du nettoyage. Vraiment ? J'en ai peur. Il faudra longer la rive. J'étais déjà venu dans ce coin, mais je n'ai jamais vu de fleuve. C'est à cause de vous, Morlaix. L'eau est votre élément. Étrange remarque. Insinuez-vous que le paysage se modifie en fonction de notre attente ? Je plaisantais. C'était quand même une idée bizarre. Vous savez que selon Spektovski, nous sommes prisonniers de nos prévisions et de nos préconceptions. Et que l'un des termes de la malédiction est que nous restons embourbés dans la pseudo-réalité de ses inclinations, sans jamais voir la réalité telle qu'elle est. Personne ne voit la réalité telle qu'elle est, ainsi que l'a prouvé Kant. L'espace et le temps sont des modes de perception, par exemple. Le saviez-vous ? Saviez-vous ça, monsieur l'océanographe ? Oui. Spektovski dit qu'à l'heure ultime, nous verrions la réalité telle qu'elle est. Lorsque l'intercesseur nous libérera de notre monde et de notre condition. Lorsque par son intermédiaire, la malédiction cessera de peser sur nous. Parfois, même durant notre vie matérielle, nous en avons des visions fugitives. D'où êtes-vous ? D'Alpha Centauri 8.
Ça fait un long trajet pour venir ici. Je sais. C'est pourquoi je suis arrivé si tard. Le voyage m'a pris presque 3 mois. Alors vous avez dû être un des premiers à obtenir votre transfert. Bien avant moi. Bien avant nous tous. Je me demande pourquoi on a besoin ici d'un économiste, puisqu'il n'y a pas d'économie sur cette planète. Aucun de nous ne semble avoir son utilité ici. Notre spécialisation, nos aptitudes, on dirait que ça n'a aucune importance. Je ne pense pas que nous ayons été choisis en fonction de ça. C'est évidence. Vous trouvez ça évident? Alors selon vous, quel a été le critère de sélection? Ce qu'a dit Belsnor. Nous sommes tous des inadaptés. Il n'a pas dit que nous étions des inadaptés. Il a dit que nous étions des ratés. C'est la même chose. Nous sommes les détritus de la galaxie. Pour une fois, Belsnor a raison. Parlez pour vous. Je n'admets pas qu'on me traite de détritus. Pas encore, du moins. En mourant, nous sombrons dans l'oubli. Un oubli qui englobe déjà notre existence. Et d'où seule la divinité peut nous tirer. En somme, la divinité essaie de nous sauver, et le général Tweton de nous... Voici l'édifice. Allons-y, en prenant cette direction. On ne s'en rapproche pas. N'est qu'à marcher plus vite. Inutile, c'est toujours comme ça. On marche, et il ne cesse de reculer. Et on ne l'atteint jamais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un moyen. Peut-être qu'en fermant les yeux et en marchant en rond, on se retrouvera tout d'un coup à côté de lui. Depuis qu'on s'est arrêté, il s'est rapproché. C'est un fantasme. Une sorte de projection issue d'un transmetteur sans doute situé dans un rayon d'un kilomètre carré. Un hologramme. Mais on voit quand même que l'image tremblote légèrement. Dans ce cas, que suggérez-vous? En admettant que vous ayez raison, il est inutile de s'en rapprocher s'il n'est pas vraiment là. Il est quelque part, mais pas à cet endroit. Ce que nous voyons est une illusion, mais l'édifice réel existe et ne doit pas être loin. Qu'en savez-vous? Je connais bien les méthodes d'Interplan Ouest pour leurrer les observateurs. Cette illusion est transmise afin de duper ceux qui sont au courant de l'existence de l'édifice et s'attendent à le trouver. C'est pour ça que l'édifice recule quand on en approche. C'est ce qui m'a fait deviner sa nature. Indiquez-nous quoi faire. Voyons. Le véritable édifice peut être à peu près n'importe où. Il n'y a aucun moyen de remonter à la source en partant de l'hologramme. J'ai l'impression que le plateau que l'on voit là-bas est une illusion superposée à autre chose. Une hallucination négative apparaissant à quiconque regarde dans cette direction. Une hallucination négative. Je veux dire le fait de ne pas voir une chose qui se trouve bien là. D'accord. Allons vers le plateau. Ça nous oblige à traverser le fleuve. Spektovski n'a pas parlé quelque part de la faculté de marcher sur les eaux? Voilà qui nous serait bien utile. On pourrait le faire, mais seulement si on était en présence de la divinité. Peut-être que Monsieur Russell est la divinité. Êtes-vous une manifestation de la divinité, venue ici pour nous aider? Êtes-vous plus précisément le marcheur sur la terre? Mais je crains que non. Conduisez-nous de l'autre côté du fleuve. Impossible, je suis un homme comme vous autres. Essayez quand même. C'est étrange que vous me preniez pour le marcheur sur la terre. Ça m'est déjà arrivé. Sans doute à cause de l'existence nomade que je mène. J'apparais partout comme un étranger, et si j'accomplis une bonne action quelconque, ce qui est rare, il y a toujours un témoin pour avoir l'idée géniale que je suis la troisième manifestation de la divinité. Vous l'êtes peut-être. Si je l'étais, je le saurais. Peut-être le savez-vous. Peut-être Monsieur Morley a-t-il raison. Si vous l'êtes, nous finirons par le savoir. Avez-vous jamais vu le marcheur? Non. Je ne suis pas lui. Entrons dans l'eau et voyons si on peut atteindre l'autre rive. Si c'est trop profond, tant pis, on fera demi-tour. Moi j'y vais.
Ignat Stag, manifestation de la divinité, passeur de fleuves et pourfendeur de typhons. Qui l'eût cru ? Priez. Pourquoi ? Pour que le voile de l'illusion se soulève afin de laisser paraître la réalité. Je peux le faire en silence ? Merci. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Thank you.